c'est pas possible. Mais pourquoi j'ai ramené ça ici? C'est n'importe... Oh, il est en train de casser la porte de la voiture. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh là, il faut que j'aille prévenir tout le monde. Il y a quelqu'un? Valentin, t'es là? Ah, oh, c'est bon, t'es là. Je te cherchais justement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu Peppa Pink et Lily Rose ou pas? Non, pourquoi? Ils doivent être en haut. Ah là, j'ai fait une grosse bêtise, je pense. Qu'est-ce que t'as fait encore? Attends, explique-moi. Va pas voir tout de suite, tu vas avoir super peur. Comment ça, j'aurais peur? Je vais quand même te montrer un petit peu. Je vais montrer aux abonnés en même temps. Bon, salut les amis. Le truc, c'est que tout à l'heure, je suis allé dans une forêt. Voilà. Attends. Dans une forêt? Ouais, tout à l'heure, je suis allé dans la forêt parce que... Qu'est-ce que t'as ramené? Non mais t'inquiète. Bon, je voulais aller me promener dans la forêt, sauf que en me baladant dans la forêt, j'ai vu une bête sauvage. Une bête sauvage. Qui avait mal à la patte, elle était blessée, tout ça. Et t'en me dis pas que tu l'as ramenée. Et du coup, j'ai décidé de la ramener. Non mais n'importe quoi, mais Esteban. Non, mais on va pas l'avoir. Mais comment ça va pas l'avoir? Le problème, c'est que pendant que j'étais en train de rouler en voiture, elle est devenue méchante. Elle s'est réveillée, elle est devenue très méchante. Tu te débrouilles, tu retournes dans la voiture, tu la conduis dans la forêt. Et là où tu l'as trouvée? On peut pas la reconduire dans la forêt. Pourquoi? Mais je peux plus conduire. Attends, viens voir la porte. Regarde. Ah non, la porte. Elle a réussi à fermer la porte. J'espère qu'elle sait pas ouvrir la porte. Regarde. Regarde, au départ elle était vraiment gentille, je pouvais limite la caresser, tout ça, et là ça fait 30 minutes qu'elle s'énerve. Attends, t'as pas un nonos qui a quelque chose à lui donner? Non, je sais pas. Au pire, on l'attache avec la corde. Bah, tiens, vas-y, on va faire ça. Tiens, donne-moi ça. Bon, les amis, on va faire ça. Je vais ouvrir la porte. Bon, de toute façon, là j'ai l'impression que la bête sauvage c'est un peu l'ouvrir aussi. Vas-y, ouvre. Et direct, tu... Mais non, je te laisse pas mordre. Mais t'inquiète. Vas-y. Ah, ah, non, mais... Ça va, tu y arrives. Attends, je tiens la porte. Il t'a mordu? Mais oui, elle m'a mordu, là, cette bête sauvage. Pourquoi tu l'as ramenée aussi? Vite, mais c'est ferme la clé. C'est bon. Oh, c'est quoi ce bazar? Montre ta main. Bah regarde. Ah, y a pas de trace, ça va. C'est trop bizarre. Normalement, il devrait avoir une marque. Elle t'a vraiment mordu? Mais oui, je l'ai bien senti. De toute façon, je l'ai vu en vidéo et même moi, ça va, elle a pas réussi. Mais j'avais vraiment la main dans sa bouche. C'était incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, franchement. Ah, c'est quoi ça? Valentin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête, tu me fais une blague là. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui s'est transformé en loup-garou? C'est quoi ce bazar? Ah mais oui, je suis bête, il s'est fait mordre par une bête sauvage. Du coup, il est devenu lui-même une bête sauvage. Ah, c'est tombe, ce que j'ai ramené à la maison, c'est pas une bête, c'est un loup-garou. C'est vrai qu'il a une forme un peu humaine, on dirait qu'il a des mains humaines. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bah maintenant il est avec lui. Faut que j'aille retrouver Lily Rose et Peppa Pink pour les prévenir de surtout pas leur faire confiance. Stop! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement que c'est une porte sécurisée ici. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux appeler personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô? Lily Rose, t'es où? Ah mais oui, je suis bête! T'es au collège! Et tu sais pas où il est, Peppa Pink? Ah bah oui, bah non, il est au travail. Ah mais là, je suis tout seul à la maison, et y a Valentin qui s'est transformé en loup-garou, parce que j'ai ramené un loup-garou, enfin une bête sauvage dans la forêt. Oui, bah je me suis promené dans... Ah, bah oui, forcément, elle était en classe, du coup elle peut pas me répondre pendant longtemps. Bon, écoutez, là je les entends plus, j'espère qu'ils sont un peu sortis de la pièce. Alors, je les entends grogner. C'est très bizarre. Je vais essayer de m'enfuir de la pièce parce que là, je suis vraiment enfermé. Et il faut que j'arrive à les bloquer dehors ou à soigner Valentin. Attendez. Je vais aller par là. C'est bon. Bon, attendez les amis. Je vais essayer de récupérer une potion de la sorcière qui pourrait soigner Valentin. Ah, où est-ce que j'ai caché ça? Ah, il me faut des petites fioles là. Y a pas des fioles ici? Non? Ah, peut-être un petit verre comme ça, si j'arrive à faire une potion.
Il n'y a pas des trucs qui vont là? Ah si, c'est ça. Je reconnais. Ok, c'est bon. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau. Normalement, ça fonctionnera comme ça. Hop, un tout petit peu d'eau. Hop, ça normalement c'est bon. Hop, et je vais pouvoir prendre ça dans la chambre de Lily Rose. J'espère que ça va marcher. Hé, hey, venez ici! Je suis là! Je suis là! J'espère que ça va pas les attirer trop vite. Normalement, ça va marcher. Donc, pour ceux qui savent pas, la sorcière m'a donné une potion magique. Enfin, une potion magique. Elle m'a donné la recette d'une potion magique qui permet de régler quasiment tous les problèmes. J'espère que cette fois, ça va marcher. En attendant, je vais m'enfermer à clé ici. Alors, restez bien avec moi, les amis, parce que on va tester l'expérience ensemble pour voir si ça marche. Alors, normalement, il fallait un peu d'eau et un peu de cette mixture qu'elle m'a donnée comme ça. Deux gouttes, pas plus, elle m'avait dit. Enfin, je sais plus si c'était une goutte ou deux gouttes, mais bon, peu importe. Oh, j'en ai plein les mains. Oh non, c'est pas possible. C'est qui? C'est Valentin, ça. C'est toi, Valentin? En plus, j'ai les mains sales, il faut pas que je me touche la bouche avec ça, parce que sinon, c'est moi qui vais me faire transformer à mon tour. Attends, il faut que je m'essuie un petit peu. Bon, c'est pas grave, là, j'ai pas le temps. Allez. Viens ici. Ça va? Je sais pas si t'es conscient de ce que tu fais, mais s'il te plaît, bois ça. Bois ça. Non, ne meurs pas, sinon on va tous être dans le pétrin là. Allez, bois ça. Je sais pas si tu m'entends et si. Voilà, mais voilà. Ok? Ça va, il a bu. Ça va? On va t'allonger un petit peu là. Ouais, je pense que t'as besoin de t'allonger un petit peu, vas-y, allonge. Ah! Bouge! Bouge de là! Bouge! Bouge de là! Bouge! Bouge! Bouge d'ici! Voilà! Oh, ça va. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai réussi à l'effrayer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va. Oh, yeah. Ça va, Valentin? Oh, j'ai fait un rêve bizarre! T'as fait un rêve bizarre? Ah, c'était un cauchemar même! Ah non, mais t'étais vraiment devenu un loup-garou, ça c'est pas un rêve. Oui. C'était pas un rêve. Non, c'était pas un rêve. Quoi, mais c'est à cause de ta bête bizarre que t'as ramenée de la forêt. Ah bah oui, c'est la bête bizarre que j'ai ramenée de la forêt qui t'a mordu et du coup t'es devenu un loup-garou. Elle est encore là? Bah oui, elle est derrière la porte. Oh non. Mais par contre, je sais comment lui faire peur, là, vas-y, prends ça. Comment on fait? Tiens, prends ça. Ouais. Et si elle s'approche, tu fais des grands gestes avec ça, ok? D'accord. Moi je vais en prendre. Juste faire des grands gestes pour qu'elle parte. Ouais, je vais en prendre un aussi. Ok. On va essayer de l'enfermer dans le jardin. D'accord. Comme ça après j'appellerai la police des forêts, d'accord? D'accord. Parce que les amis, il y a une police spécialisée dans les forêts, dans les bêtes sauvages. Là je pense qu'il faut, vraiment les appeler là. Bon vas-y, ouvre la porte. Ok. Ouvre la porte. C'est fermé à clé. Ouvre la porte. Et si elle est derrière, on la chasse jusqu'au jardin, ok? Allez vas-y. Elle est pas là. Mais je sais pas où elle est. T'es où? Ah! Ah, vite! Des grands gestes! Vite! Bouge! Bouge de là! Bouge de là! Bouge! 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 Allez, bouge de là! Allez! Oust! Oust! Bouge de là! Allez! Non, vite, on l'a! Vite dans le jardin! Allez, oust! Ah bah, attention à nos chats quand même. Allez, ah, regardez, il y a notre chat. Non, il y a notre chat dans le jardin. Vite, bouge! Allez, bouge! Bouge! Vite, le chat, le chat, ça va, notre chat, il est rentré. Allez! Et on va fermer ici à clé aussi. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, là je pense qu'on est sorti d'affaire. Il peut plus rien faire. On aurait pu l'enfermer dans le trampoline aussi, ça aurait pu être marrant. Hein. Franchement, ah, de voir ça. Qu'il soit là, quand bon, même. Les amis, on a réglé ce problème. Maintenant, il faut que j'appelle la police des forêts pour qu'ils raccompagnent cette bête féroce là, dans la forêt ou dans un zoo carrément. Parce que, imaginez si à chaque fois elle se fait passer pour une bête malade et que des gens la ramènent chez eux. Bon, je vais appeler la police des forêts. Je vais pas tout faire en vidéo, les amis, parce que ça va prendre beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît dans un coin de l'écran. À la prochaine. Ciao !